بدري بدري على العين العاية بدري بدري العين الغاية تعيش لي يا بابا تعيش لي تعيش لي يا بابا تعيش لي تعيش لي يا بابا ونرد خير تعب جهدك وشحال Salam alaikum, Rabih Zia Ani, le papa de Karim pour ceux qui ne connaissent pas encore, mais bon, tu es très connu dans le monde du football. Tu étais avec Mas'oud. Mas'oud, on te salue. Marhaba Abik, fait AlgeriaFoot.com. Marhaba Abik Rabih aussi. J'avais déjà mis ta photo, mais je t'avais jamais interviewé. Tu es au courant que Karim, ton fils, il a eu la récompense des internautes AlgeriaFoot, mais il a des d'or. Il a été élu meilleur international algérien de l'année 2009. Est-ce que tu as suivi un peu la cérémonie de la récompense et qu'est-ce que ça te fait, ça t'évoque en tant que papa de Karim, il a été honoré par les supporters? C'est une fierté, puis c'est par rapport aux internautes et par rapport aux supporters, je suis fier et je leur dis merci. Et justement, toi on sait que tu es très patriote, Amir Rabih, il est connu pour son patriotisme. Comme j'ai dit à Karim, tu n'as pas seulement œuvré pour sa carrière à lui, mais tu as œuvré pour la carrière de beaucoup de joueurs, donc pour le football algérien. J'ai interviewé beaucoup de joueurs et dans leur parcours, il y a souvent un coup de main de Rabih Ziani. D'où te vient ce patriotisme pour ton pays, là, Algérie, comme ça, que tu as transmis à Karim? Ça, c'est un devoir de chaque Algérien. Ça, on a dans le sang. Soit on l'a, soit on ne l'a pas. Soit on aime l'Algérie, soit on n'aime pas. Ben oui. Et on te félicite parce que tu as bien transmis les valeurs à tes enfants, pas seulement Karim, toute la famille. Et ben alors, au nom de tous les supporters algériens, tous les admirateurs de Karim, où qu'ils soient dans le monde, à la Balak, Karim, il a des supporters dans le monde entier. Les maillots 15, ils sont dans le monde entier et on voudrait tous te remercier de l'éducation que tu as donnée à ton fils, de ce que ton fils a donné au pays, parce que malgré c'est ton fils qui a donné au pays, c'est le nom Ziani, Karim, c'est très important le nom Ziani, la famille Ziani, il en parle énormément. Karim, c'est quelqu'un, moi je le connais un peu, mais Yachim Aslo, il n'a pas honte de sa famille, il est fier de sa famille, mais toujours en avant sa famille, ses oncles, ses tantes et tout ça, et ça c'est un trait de caractère, Yanné, c'est un honneur, quoi. C'est nif, quoi. C'est... Moi, je remercie tous les Algériens au monde entier, quel que soit où ils sont. Je les remercie beaucoup et vive l'Algérie. Il faut qu'on soit la main dans la main pour l'Algérie. Ouais. Et t'as pas un petit mot pour les gens de Bjaïa, les gens de Sostara, s'ils t'écoutent, les gens de Bjaïa aussi, on les oublie pas. Je fais un grand coucou à Bjaïa, à toute la famille et tous les gens de la région, et tout Bjaïa, et Alger aussi, Alger Centre, tout le monde et toute l'Algérie. Et moi maintenant, je voudrais parler d'un truc plus personnel. Je voudrais aussi te remercier d'avoir ouvert cette pâtisserie à Paris, à Ménilmontant, c'est ça? Tu peux te donner l'adresse pour les gens qui voudraient venir? C'est 9 bis boulevard Belleville. 9 bis boulevard Belleville, parce que c'est vraiment un lieu de convivialité. Quand tu vas là-bas, vraiment, on a l'impression d'être dans un bled, dans un autre quartier, dans un café, voilà. Il y a une ambiance familiale, de football, il y a des anecdotes, il y a vraiment... C'est vraiment le rendez-vous des fouteux algériens, mais les vrais, les belles, l'histoire historique, quoi. Et on te remercie pour ça. Et j'invite tous les gens à passer faire un tour parce que déjà on y mange bien et c'est très convivial. C'est l'esprit que tu as voulu donner, je pense. Tu n'as pas voulu faire un truc chic, tu as voulu faire surtout un truc du peuple.
un truc traditionnel, algérien. Un dernier message pour les Algériens? Un dernier message, je les aime fort, je les embrasse et vive l'Algérie. Merci, c'est le meilleur mot ça. Merci aussi, Saoud, d'avoir assisté à l'interview. C'est un ancien joueur aussi. Ancien joueur, Allah Ibak. Tu as joué où, Saoud? J'ai joué en cadre de deuxième équipe de Al-Harrach, Kahla. Ah, le Kahla, Allah Ibak. C'est dans la même équipe. Ah ouais, c'est laquelle? Ah oui, la fameuse équipe. La fameuse équipe de Viltaneuse, vétéran. Où il y a des problèmes avec les arbitres et tout ça la dernière fois, on m'a dit ça à chaque fois, c'est toi qui sauve un vol. Moi, ce que je voudrais juste dire, c'est qu'on remercie aussi les supporters Harachi qui étaient en masse au Soudan. Qui étaient en masse au Soudan et qui ont fait le halal là-bas pour que l'équipe nationale se qualifie. Oui, on remercie tous les Algériens. Toutes les Algériens. Merci beaucoup. Tous les supporters algériens. Allez, je sais que tu es en retard là, excuse-moi. Merci. Allez, au revoir.